Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, c'est Wolfegon et on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Dimensions Mystic Dragons. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dragons. Pas de dragons aujourd'hui, on va pas s'occuper de l'entraînement de Draco, ni même de voler sur le dos d'Ender. Aujourd'hui, on va se consacrer à d'autres reptiles. Il s'agit des serpents, les pauvres. Ceux-ci n'ont pas leur propre maison et je vais réparer cette injustice qui n'a que trop duré. 48e épisode pour enfin faire une maison assez... ces serpents, mes petits serpents d'amour, regardez-moi ça, ils s'entassent tous. Je leur ai donné un petit lapin à manger. Bon, bah, pour l'instant, ils ont pas très faim. Mais en tout cas, voilà, ils sont tout mignons. Moi, je les adore, mes serpents, regardez-moi ça. Ils sont tellement affectueux. Moi, j'adore, hein. Ils sont formidables, c'est... Hop là, boum. Ils sont vraiment très très affectueux, très très sympas, mais ils n'ont pas leur propre maison, et je vais réparer, comme je viens de le dire, cette injustice. Pour ce faire, j'ai fait chauffer plein de sable. Je n'ai d'ailleurs plus... j'avais 25 ou 24, je sais plus, morceaux de charbon. Il n'y a que dalle. Donc j'ai encore deux stacks de verre avec moi. Deux autres stacks ont déjà été utilisés pour poser les bases... de la maison, vous voyez ici. Donc la maison des serpents sera ici, comme vous pouvez le voir, hein. Et en fait j'ai rusé pour faire en fait une construction qui nécessite, pour en faire le tour complet, un stack de matériaux. Donc pour faire le tour complet en cobble, il faut un stack de cobble. Pour faire le tour complet avec du verre, un stack de verre, etc., etc. Donc, ça nous fait une construction somme toute très convenable pour tous les serpents qui pourront se balader un peu plus librement, même si bon, ils resteront quand même enfermés dans un périmètre restreint, mais ils pourront profiter d'un espace quand même beaucoup plus accueillant. En parlant de ça, je rallume mon iPhone avec la photo du résultat final que j'ai fait sur une flat world pour pouvoir être sûr de faire quelque chose de correct. Et écoutez, c'est parti, on va se consacrer déjà à la première partie, puisque cette maison des dragons sera faite en trois parties, une partie en bois, une partie avec de la verdure et des rochers, et une troisième partie avec de l'eau et des nénuphars. Les nénuphars, je ne suis pas encore allé les chercher, je les ajouterai à la fin, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'avancer au maximum la construction de cette maison des serpents. Alors, en premier lieu, je vais nous faire... Putain, j'ai que dalle en fait dans mon inventaire. Mon inventaire est plein, mais j'ai rien du tout pour nous faire au moins des rochers de protection. Bon, les rochers, on va pouvoir les placer. Il faudra juste que je délimite la zone aquatique. La zone aquatique, on va dire qu'elle va prendre ce cube-ci, plus deux autres. Hop, hop, donc on va casser à partir de là. Donc je creuse une délimitation. Voilà, donc là on va enlever toute la terre. Pour pouvoir ensuite faire un niveau d'eau. Oh non, purée, ma pelle. Bon, j'ai encore une pelle en pierre, ça c'est bien. J'en ai fait une juste... je l'avais récupérée dans mon inventaire au cas où. Bah finalement j'ai eu raison. Allez hop. Voilà, je casse. Alors, évidemment, je ne peux pas tout vous couper parce que sinon l'épisode n'a plus d'intérêt. Toi, le lapin, tu vas te prendre des coups de pelle. Ou alors tu vas grimper sur ma tête. Voilà. J'ai un lapin. Et il est sur ma tête. Tout est normal. Normal. Allez hop, ça suffit, tu t'en vas. Moi je vais quand même aller chercher quelques petites choses que j'ai complètement zappées. À savoir, déjà, des tables. Alors par contre, je ne sais plus du tout comment on fait le craft des tables. Je suis un peu dans la mialdas. Est-ce que... Alors je vais tenter, attention. Je suis un fougueudin. Comme ça. Avec de la cobble. Oh, ça marche! Fabuleux. Ça marche. Donc voilà, je vais pouvoir m'emparer de... Mince. Ouais, ça marche, mais hop. Voilà, c'est stackable, c'est parfait. Deux tables en cobble. Donc ça, c'est bien. Oh, c'est déjà la nuit! Purée.
Et ces tables en cobble, en fait, à quoi elles vont me servir? Déjà à m'occuper du premier coin, à savoir le coin où je vais pouvoir garder mes serpents. C'est-à-dire, en fait, ici, on imagine que j'ai des livres. D'ailleurs, en faisant des livres, en parlant de livres, pardon, on va en fabriquer. On va mettre deux bibliothèques ici et deux bibliothèques de l'autre côté. C'est un petit peu le coin soigneur animalier. Je note, je prends des notes sur, je sais pas, la taille des serpents au jour le jour, etc. C'est comme si je m'occupais de mes serpents pour de vrai. Donc j'ai décidé de faire un petit coin pour moi, un coin où ils pourront évoluer en liberté, etc. Et un autre coin où ils pourront, pourquoi pas, se mouiller, etc. Profiter de l'humidité d'un petit lac. Et ici par contre, voilà, toi l'ours, allez, tu vas pas rester ici, hein. Chasse gardée, ça suffit maintenant. Et il faut déjà que je dévore mes deux baguettes, sans quoi je risque d'être à sec, côté cœur. Alors autre chose, puisqu'il faut déjà rentrer à la maison, c'est vous montrer comment ça s'est goupillé toute cette histoire autour des chevaux. Regardez-moi ça, Kiwi et Coco ont donné naissance à un autre cheval qui restera là, qui ne va pas dépoper parce qu'il est né. Et voilà, il est grand, il est beau, il est fort. C'est un autre cheval Nightmare, né de l'accouplement en fait de Kiwi et non de Celesto, parce que Celesto finalement, bah, je l'ai renvoyé chez lui. C'est Kiwi et Coco qui ont donné un cheval noir. Alors je ne sais pas pourquoi, sachant qu'ils sont ni l'un ni l'autre sous de noir, hein, voilà. Mais bah, vous l'avez remarqué. On a quand même un cheval des enfers et ça c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il fait là, ce rongeur? Dehors. Suffit toi. T'apprends à rentrer chez les gens comme ça. Bon allez hop, dépêchons-nous parce qu'on a quand même un épisode à faire. 7 minutes se sont écoulées, j'en profite pour rallumer mon iPhone avec l'image finale. Et c'est pas comme ça les tables, je les imaginais pas comme ça. Un creeper? Mais non, il déconne le creeper. Tu déconnes. Tu déconnes le creeper. T'es pas sérieux. Non mais oh. Tu crois quoi toi? Tu vas rentrer chez moi comme ça, me péter au nez? Non mais oh. Garde tes flatulences pour toi. Hop. Non mais je vous jure, il y en a qui ont des besoins naturels, ils sentent tout de suite que ça va être le P du siècle, quoi. Non mais oh, ça suffit. Faut s'arrêter un peu, monsieur. Ah, par contre, j'ai oublié un truc très très important, c'est les seaux d'eau. Parce que bah, sans ça, mon coin aquatique, bah, il ressemble à rien. Et pour éviter quand même un maximum... Hop, alors, matière précieuse, j'ai besoin de seaux. Pour éviter un maximum d'aller-retour, bah, je vais prendre un maximum de seaux avec moi. Et de 1... Et de 2... la pioche, je risque d'en avoir besoin. Qu'est-ce que je peux ranger? Rien du tout. Je ne range rien. Ah bah si, je vais ranger les plumes. Allez hop, c'est pas grave. Je vais foutre le chantier dans mon inventaire. Un truc pas permis. Et puis, parce qu'il faut quand même que je me dépêche. J'avais pas mis une source d'eau proche. Une source d'eau infinie, il y en avait une par ici, non? Ah non, je l'ai bouchée. Ouais, je l'avais bouchée, hein. Ah non, elle est là. Non, ça c'est cool. Bon bah finalement, j'ai eu raison. Allez, on retourne. Ah ça c'est quoi? C'est un cheval noir? C'est un cheval gris? Bon, de toute façon, il est trop loin et on s'en fout. On a déjà notre nightmare et quand celui-ci sera en âge de procréer, eh bien on l'accouplera avec une autre femelle du ranch. Du hara plutôt, du hara. Alors, je vais me faire ma propre petite source d'eau infinie pour aller plus vite. Et de 1, et de 2. 1, hop, 2, 3. Voilà, comme ça, là, on sera peinard. Hop, hop, hop. Et voilà, un deuxième coin. Un troisième coin, en espérant pouvoir s'en sortir avec les courants. Allez. Donc voilà, et petit épisode pépère, hein, il n'y aura pas beaucoup d'action. Ce sera surtout l'avancée de la construction, vous pourrez voir. Hein.
Ça fait partie de ce genre d'épisode où bah, parfois vous pouvez très bien faire autre chose en même temps. Il y a des moments où bah, voilà, hein, il suffit d'écouter parler. Je dis pas que je suis un beau parleur, mais quand même. Mais bon, c'est quand même assez visuel, hein. Je suis en train de faire quelque chose là, donc. Ah ah ah, et voilà! Ça c'est cool. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà! Et bah c'est parfait. Notre petit coin d'eau, il est terminé ou pas? Il est fini ou pas? Ouais, il y a un souci, c'est que comme c'est en coin, il faudra que j'aille boucher les trous de l'autre côté pour éviter que l'eau ne coule vers le bas. Vous voyez ici, ça fait un peu moche. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, pendant que j'ai de la bouse avec moi, dans la main. Hop, un truc comme ça ici. Hop, hop. Voilà, on va boucher. En plus, ça faisait moche comme ça, sans rien là. Sais pas ce que ça donne, mais normalement, ça devrait le faire. On va aller voir un petit peu comment tout ça s'est goupillé. Ouais, ça va. C'est devenu plus droit. Bon, bah ça c'est cool. Ensuite, on va se faire un petit palmier, parce que moi j'aime bien les palmiers, ça va donner un petit côté exotique à la chose. Ah, par contre, bah non. Un palmier, bah oui, mais j'ai pas pris de feuilles. Oh, j'ai pas de feuilles. Oh, c'est la dèche. Ah, c'est bien de pré... super de tout prévoir comme ça. Bah du coup, on va faire des lampadaires, tiens. Hop là. Allez, hop, un premier, et on va en faire un dans l'eau aussi, tiens. Hop. Deux. Ouais, je vais rajouter un niveau supplémentaire. Voilà. Et normalement, si je saute et que je place un autre cube, est-ce que je vais y arriver? Challenge! Cool, j'ai complètement foiré. Voilà, hop. Comme ça, je m'embête pas. Oh, le vieux pont. Que du plaisir, que du bonheur. Bon, allez, maintenant on va s'attaquer à la vraie décoration avec, par exemple, la construction de bibliothèques. Donc on va crafter des biblis, puisque je suis un vrai bookworm, tout le monde le sait. Les matières précieuses, je range mes seaux. J'en avais pas disponible d'ores et déjà. Non, j'avais déjà... Si, j'ai déjà du papier. J'ai ça. Et au cas où je manquerais de matières premières, je vais récupérer encore un petit peu de canne à sucre. Allez. Canne à sucre, canne à sucre. Ça m'énerve comme ça de... Ah là là. La nourriture, là, la nourriture qui descend encore plus vite. Je sais pas si c'est le mode hardcore qui fait ça, mais honnêtement, c'est chiant, quoi. Sacrément chiant. Donc, je vais me faire des biblis immédiatement. Alors, qu'on n'ait pas oublié. Voilà, le papier, il est là. 2, 2, 2, ok. Ça fait 32. C'est parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai besoin de 4 bibliothèques seulement, donc on va... 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Ça va pas. Oh non, j'ai pas fait de bouquin, quel idiot. Je me rappelle déjà même plus des crafts. Voilà. En fait, du coup, j'ai vraiment pas assez de papier. J'ai pas assez de papier. C'est la grosse loose, en fait. Bah tant pis, on va en faire une seule. Ah, la préparation des... Préparez vos épisodes à l'avance, hein. Préparez vos épisodes à l'avance. C'est quand même assez terrible, là, ce qui m'arrive. Canne à sucre, il n'y en avait pas par ici. Attends, 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 il y en a 5 des livres là. Cool. C'est déjà pas mal parce que du coup je vais pouvoir me faire 3 bibliothèques en tout. Un, deux, trois, un, deux, trois. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Et voilà. Donc ça fera 3 bibliothèques en tout. La quatrième, bah tant pis, elle attendra. Je terminerai tout ça hors caméra, c'est pas grave, hein, ce n'est pas un drame. J'ai eu peur, je commençais à me dire, mince, en fait c'est la statue que j'avais faite. Alors,
1, 2, et la troisième, elle est là. Ok, donc ça c'est mon petit coin pour moi. Je vais également casser le bois ici parce que ça n'a rien à faire là, ça. Ok. Pour le petit coin dédié au serpent. On va se faire une limite avec des barrières par ici. Le petit coin avec de l'eau, il est bon. On va également se faire des... j'en ai marre de faire des allers-retours, j'oublie toujours quelque chose. Donc on va se consacrer aux rochers. Des petits rochers de protection. Alors ça consiste en quoi? Eh bien tout simplement à faire des cachettes, comme ceci. Voilà, hop, comme ça les serpents ils pourront se réfugier ici, en dessous. Voilà, tout simplement. On va en faire une deuxième. Comme ça. Hop, comme ça, voilà, ils pourront se cacher. Et puis un troisième coin, parce que j'aime bien ça. Hop. Hop. Est-ce que j'ai ma pioche avec moi? Oui, je ne l'ai pas rangée. C'est formidable. Et voilà. Je vais même carrément creuser un trou ici. Ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, là, je pense qu'on est bon. Voilà, donc ça c'est mon petit coin pour que les serpents puissent se cacher. On va également, bon bah tant pis si je fais plein d'allers-retours, hein, vous voyez, hein, c'est un épisode semi-préparé, c'est un peu freestyle, et puis en même temps, bon bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rentrer chez moi les animaux là? Oh là là, ils ont mangé des grenouilles au petit-déj. Pas possible. On va prendre de la bonne mille. 9, ce sera largement suffisant je pense. Poussez-vous! Hop, claquez la porte au nez. T'apprendra. Je vais pouvoir, hop, rajouter de l'herbe. Parce que c'est ça qui est bon. C'est ça qui rendra l'environnement plus beau. Comme ça, les serpents pourront se faufiler dans les hautes herbes. Un peu façon Pokémon, quoi. Et puis voilà, voilà qui est bien. Je trouve ça plutôt cool, moi. Bon, c'est déjà la nuit, je vais en profiter pour aller m'équiper d'une paire de cisailles pour pouvoir eh bien aller chercher. Alors les cisailles elles sont où? Pour avoir aller chercher des feuilles. Elles sont là. Donc pas besoin de wet mill feuilles. On va s'occuper d'un arbre qui en a pas mal et où il ne sera pas dérangeant d'ôter quelques paquets de feuilles. Hop, on va passer en dessous. Hop, voilà, 2, 3, 4. Ah mais je peux pas les choper parce que mon inventaire est plein. Bien joué, Mr. Wolfie. Et 1, 2, 3 et 4. Et ben voilà, je suis bien content, si j'ai bien compté, ça me fait 8. Et on va pouvoir immédiatement retourner se coucher. Allez hop. Bon, décidément, hein, les allers-retours, je les accumule. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Je suis vraiment désolé. Je comprends que ça puisse en agacer certains. Ou certaines, d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des creepers qui ont encore spawné? Non. Pas de creepers, mais une biquette. Bon, c'est pas grave. Toujours moins dangereux qu'un creeper. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Voilà, pour l'abri des serpents. On va pouvoir équiper... Alors, c'est des pins limiers. C'est des pins limiers, en fait, les trucs. C'est des arbres que j'ai inventés. Des arbres originaux, c'est des made in Wolfie. C'est des pins limiers, les trucs. On va casser à la main, parce que tout se fait façon artisanale ici. Sans outils. On va casser nos doigts sur le bois. Afin de rendre sa beauté quand même à ce palmier. Si on peut dire que ce palmier est beau. Parce que là, c'est quand même mal parti.
Problème, c'est qu'il manque encore des feuilles sur le devant. Enfin, au-dessus, pardon. Parce que là, le problème, c'est que si on met pas de feuilles au-dessus, ça risque d'être un petit peu problématique. Qu'est-ce que c'est que ça? Cripette? Ah non. Oula! Ce n'est pas une cripette, ça. C'est un creeper psychique. Dommage. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cripette, je me demande vraiment ce qu'elle devient. Si elle est forcément sur Scalia, vu qu'il y a de nouveaux creepers par ici. Mais alors, j'aimerais bien la retrouver quand même. Bon, faut dire que je la cherche pas beaucoup. Je sais très bien qu'elle est très débrouillarde. Pas de problème à ce niveau-là. Mais quand même, quand même. Et du coup, en fait, je suis rentré, mais j'ai pas été chercher mes feuilles. Oh là là, mais une tête à claque! Je suis une tête à claque, c'est quand même hallucinant ça. Pauvre garçon, quoi. Pauvre garçon, pauvre de moi. Je suis en train de complètement dénaturer l'arbre, il est en train de perdre ses feuilles, c'est ridicule. C'est d'une tristesse absolument affligeante. Hop. Voilà, on va courir de l'autre côté. Et là, et voilà. Eh ben écoutez, c'est parfait. Deux petits palmiers, un petit coin. Bon, ça commence à se goupiller plutôt pas mal cette histoire, hein. Je trouve que là, les serpents, ils ont déjà de quoi vivre, même si c'est pas complètement terminé. Donc ce que je vous propose, c'est... Et là, c'est là qu'on va s'amuser. Oh, toi l'ours. Mais même pas en rêve, tu touches à mes dragons. T'as compris? Même pas en rêve. Par contre, moi, mes serpents, c'est l'heure du transfert. Donc là, vous pouvez sortir librement. Et toi, mon cobra, tu seras le premier à rentrer à la maison. Hop là! Dans l'eau, carrément, parce que je suis un grand dingue. Ah, puis il va se mouiller. Voilà. Et puis, je pense que vous avez compris le principe, hein. Donc là, on va en mettre au moins un de chaque type. Donc là, si vous aimiez pas les allers-retours, bah, j'ai pensé à vous. Hein? Là, c'est un épisode, mais spécial aller-retour, quoi. C'est... Puis alors, billets non remboursables, hein, c'est... On est obligé de les faire. Voilà, dans ce coin-là. Et en plus, pauvre de moi, je crève de faim à chaque aller et à chaque retour. Alors là, on est complètement pas couché. Et puis un python bien sûr parce que moi mes pythons, mais mon Dieu, mais je suis red dingue de mes pythons. Hein. Regardez-moi ça. Câlin python. Ah, ça en impose hein, quand même. Hein. Ouais, y a un certain Draco qui est jaloux, j'ai l'impression. Hop, hop. Bon voilà, ils devraient normalement être très heureux dans leur nouvel habitat. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, bah écoutez, certes c'est un épisode riche en aller-retour, mais ça m'a quand même bien plu de le faire, d'imaginer cette maison des serpents pour vous, avec vous, pour les serpents, avec les serpents. On va juste faire le dernier niveau parce que j'ai peur que mes serpents en fait ne s'échappent en grimpant sur des rochers. Ils ont l'air de se plaire, hein, ils sont en train de découvrir leur nouvel habitat. J'en suis très heureux. Hop. Et puis, on va faire donc le petit tour. Forcément, je gâche du verre, parce que moi j'aime bien gâcher le verre. C'est mon dada, c'est mon hobby, j'adore ça. J'en ai trop envie. Et je fais des rimes croisées et des trucs comme ça. Non, toi par contre, t'es gentil, tu vas hop dans l'eau. Voilà, tu seras gentil. Et voilà. Et ben voilà, maison des serpents, objectif accompli, presque. Il manque encore quelques détails, mais ça, vous le verrez dans l'épisode prochain, avec l'ajout de Nénuphar, avec tous les serpents qui seront là. Un petit ajout, j'ai prévu de mettre des panneaux, hein, vous savez, un petit livre, des panneaux, peut-être une nouvelle table d'enchantement, quoique. On va peut-être éviter la table d'enchantement parce que bah, j'ai pas de diamants. Si j'en ai encore, je sais plus. Je sais plus, je crois pas, je crois que j'ai plus de diamants, donc du coup, eh ben, je risque d'avoir assez de mal pour me faire une nouvelle table d'enchantement. Ça aurait été pourtant bien avec l'ajout du livre qu'il y a dessus. Des coffres et des trucs comme ça. Donc ce sera tout pour délimiter ma partie en tant que soigneur animalier, et puis une autre partie où les serpents pourront évoluer en toute sérénité.
Eh bien écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain. Bon, j'aime pas vraiment situer les épisodes dans le temps, parce que si vous les regardez 5-6 mois après, bon bah vous risquez d'être un peu perdu, mais sachez que si vous le regardez à la date de diffusion, eh bien le prochain épisode sera vendredi et nous irons combattre du monstre. Allez, à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, cette semaine c'est la Paris Games Week, on s'y retrouvera je l'espère le samedi, comme ça j'aurai bien situé l'épisode dans le temps, comme ça bah vous aurez bien les boules quand vous le regarderez si jamais vous êtes 6 mois après le tournage. Vous m'aurez compris, comme je commence à dire un petit peu tout et n'importe quoi, il est grand temps de se quitter. Donc, à samedi pour la Paris Games Week stand de la FNAC. Sinon, eh bien, prenez quand même bien soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde.